Intimement attachée à son engagement pour une éducation de qualité au Bénin, la Fondation Gandaro Thierry a initié le prix d'excellence afin de susciter une saine émulation au sein de la jeunesse. Et pour le prouver une fois encore, elle a parrainé la soirée d'excellence organisée par le groupe ESAE ce samedi 16 juillet 2022 à la salle des fêtes Le Majestic de Kadjéon. Une marque singulière qui touche la couche estudiantine de cette prestigieuse université. Au nom du Sonédrin et du comité d'organisation, nous disons un grand merci à notre fondateur et son vice pour cette panoplie de blanches d'études à ESAE, mais aussi pour leur combativité à ce que ces dernières soient dispensées par des meilleurs enseignants qualifiés et dévoués à la tâche. À toute l'administration des AE, qui est toujours à pied d'œuvre pour une bonne organisation et une bonne coordination à toutes fins utiles, recevez nos civilités les plus sincères. Aussi, nous nous en voudrons de ne pas remercier tout le comité d'organisation qui s'est acharné sans aménager le moindre effort pour que cet événement ait lieu. À Sa Majesté, Dakini Degbe Aka, Thierry Gandaro, à tous nos partenaires et sponsors, plus l'être suprême, omnipotent, le miséricordieux vous en soit écrit. Une soirée qui a été riche en couleurs et en émotions n'a pas empêché le fondé de rendre un vibrant hommage aux enseignants avant d'exhorter les étudiants à plus d'efforts. Nous avons commencé timidement la soirée de l'excellence depuis une dizaine d'années. Mais depuis l'année dernière, nous sommes montés d'un cran en commençant par célébrer les meilleurs étudiants. Cette année, nous avons pu avoir un parrainage très important. Un parrainage qui va durer dans le temps. C'est le parrain désormais du gala de l'excellence de l'ESAE. Et c'est grâce à ce parrain que les meilleurs étudiants de notre école seront primés et davantage couronnés. Donc joignez-vous à moi pour dire merci à Dakini Degbe, Thierry Gandaro, de la Fondation Thierry Gandaro. Il nous a toujours été reproché de célébrer la femme, d'offrir la moto à la femme, la Miss ESAE. C'est une très bonne chose. Mais si on peut célébrer la femme pour sa beauté, ben pourquoi ne pas célébrer l'homme tout court pour son intelligence? Je voudrais vous demander davantage à plus d'efforts. À cette occasion de soirée d'excellence, des lettres de félicitations et des trophées ont été décernées aux enseignants méritants tirés sur le volet à Cotonou comme à Parakou et aux étudiants les plus méritants avec le major qui repart avec une moto neuve offerte par le parrain qui justifie son accompagnement. Ma fondation éponyme répond toujours présente lorsqu'il s'agit de célébrer dignement l'excellence avec les plus méritants. Cette moto que nous offrons ce soir symboliquement marque le début d'une aventure. Je ne voudrais prendre aucun engagement solennel ce soir, mais que Dieu nous garde et nous préserve de tout. Après la réception de son présent et tout joyeux, le major de la promotion exprime sa satisfaction. Je suis très content. Les mots me manquent pour exprimer ma joie, ma gratitude. Je remercie infiniment le fondé pour cette initiative. Je remercie aussi le parrain, M. Gandaro, qui nous a fait cette promesse. Et c'est déjà une sensation en moi. Et ça me donne l'engouement de reprendre les études. La soirée d'excellence édition 2022 est désormais du passé. Avec cette bonne promesse du parrain pour primer le major avec un véhicule l'édition prochaine, la Fondation Gandaro Thierry attache donc du prix à l'excellence et au travail bien fait. Une soirée bien agrémentée par des intermèdes culturels a pris fin sur une bonne note de satisfaction. Je vis en permission. Ma plume, mon père.